Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour. Ce matin, un nouveau groupe BNI s'est ouvert à Rouen, intrigué par le développement de ce club à faire. J'ai invité Gilles Yaconès, vous êtes directeur exécutif des groupes BNI 76, et par votre présence, on va découvrir le fonctionnement de BNI. Alors dites-nous tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire déjà BNI ? Alors BNI, ça veut dire Business Network International, et ça vient des États-Unis. Donc ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Ivan Meissner. Alors aujourd'hui, c'est bien en France, c'est bien de chez nous, puisqu'il y a de plus en plus de groupes. Combien de groupes vous êtes aujourd'hui en Seine-Maritime ? Alors aujourd'hui, entre les groupes qui sont créés et les groupes qui sont en création, on est à 15 groupes aujourd'hui en Seine-Maritime, ce qui fait près de 400 membres aujourd'hui. Ouais, c'est assez considérable en quelques mois, là, parce que je crois que vous avez commencé vraiment à ouvrir BNI d'une manière un petit peu active il y a moins de 2 ans, 3 ans ? Oui, il y a un petit peu plus de 2 ans, effectivement. Donc là, vous êtes déjà à 400, 500 membres, plus d'une dizaine de groupes. Alors, c'est quoi le secret de cette réussite éclatante pour l'instant sur ce territoire de Seine-Maritime ? Alors, le secret, on pourrait dire que c'est le bouche-oreille. En fait, BNI est la plus grosse organisation mondiale de la recommandation d'affaires par le biais du bouche-à-oreille. Donc la croissance justement de BNI dans la région, donc au-delà du chiffre d'affaires dont on parlera certainement plus tard, la croissance des membres se fait aussi par le bouche-à-oreille. Alors il y a d'autres clubs d'affaires sur notre territoire, on a eu l'occasion d'en recevoir sur la chaîne Normande. Qu'est-ce qui fait que ça marche alors que c'est un produit américain ? On a un petit peu de mal des fois les Français à se faire au protocole US. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Comment ça marche ? Alors ce qui fait que ça marche en fait, c'est que BNI est devenu un réseau par la force des choses. Aujourd'hui, BNI représente 170 membres dans le monde, donc forcément on parle d'un réseau. Mais au-delà de ça, BNI avant toute chose, c'est une méthode de travail. Donc c'est une méthode de travail qui amène les membres à pouvoir échanger du business entre eux pour développer leur chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de leur entreprise. Combien il y a de membres dans un groupe par exemple ? Dans un groupe, il y a entre 30 et 35 membres. Alors, une fois qu'on a fait le tour des membres, c'est un peu limité, non ? Alors justement, l'intérêt n'est pas de travailler avec les membres du groupe. Enfin, en tous les cas, pas directement. L'intérêt, c'est de travailler avec le carnet d'adresse, de chacun des membres du groupe. Donc, par exemple, si moi, j'ai ma mère demain qui a un problème de plomberie, je vais faire appel au plombier du groupe pour pouvoir aller dépanner ma mère qui a un problème de plomberie. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment de travailler avec l'environnement de chacun des chefs d'entreprise. Alors, ce matin, on avait une équipe qui est venue juste en face de la chaîne Normande pour découvrir ce nouveau groupe, Rouen Métropole. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce groupe ? Comment ça fonctionne concrètement, une matinée dans un groupe de BNI ? Alors, une matinale est composée, donc, par le biais de cette méthode, en fait, on a 20 points de réunion. Et puis, donc, pendant cette matinale, c'est une vraie réunion de travail. Donc, on a aussi un moment informel qui est autour d'un petit déjeuner, puisque les réunions commencent à 7h15 le matin. À 7h15, il faut être matinal pour exactement, être bon BNI. Il faut être matinal. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. qui se couchent tard. Donc, effectivement, c'est en matinale, justement, avant le travail des chefs d'entreprise pour ne pas venir empiéter, justement, sur leur emploi du temps respectif. Alors moi, ce que je vous propose tout de suite pour être dans le cœur justement de cette réunion, c'est peut-être d'écouter Jérôme Alix. Il vient de prendre la présidence d'un nouveau groupe Business Métropole. On l'écoute. Nous sommes réunis pour le lancement du groupe Business Métropole, qui est le troisième groupe BNI sur Rouen. Nos rendez-vous hebdomadaires ont lieu le vendredi matin. Nous sommes actuellement 22 membres et nous cherchons à augmenter un petit peu notre panel de métiers en montant le groupe à 35 ou 40 entreprises. On se réunit tous les vendredis matins, donc il y a le comité d'accueil qui est là pour accueillir les invités et les membres de BNI Business Métropole autour d'un petit déjeuner. Nous sommes organisés donc sous forme d'une table en U où chacun échange et présente, donc fait ce qu'on appelle son info commercial pour que chacun d'entre nous soit ensuite le commercial de son activité pour promouvoir l'activité de l'ensemble des membres à l'extérieur. Donc on se veut être des commerciaux de tous les membres. Je suis aujourd'hui plutôt très heureux de pouvoir promouvoir le groupe Business Métropole qui a toute sa place sur une métropole comme Rouen vis-à-vis des deux autres groupes. Il faut savoir que chaque groupe BNI, il n'y a qu'un seul métier représenté par groupe. Donc on a la place aujourd'hui sur Rouen pour qu'il y ait 3, 4, voire 5 groupes BNI. Alors quelqu'un qui ne connaîtrait pas le BNI aujourd'hui, qu'il prenne contact avec nous, qu'il prenne contact avec les membres du groupe Business Métropole et qu'il vienne nous rencontrer un vendredi matin pour partager un petit déjeuner d'affaires avec nous. Et s'il trouve un intérêt à rejoindre notre groupe, il sera accompagné pour les modalités d'inscription et une présentation beaucoup plus large des activités du groupe et des devoirs
de chacun, parce que c'est une méthode, BNI, mais une méthode avec forcément un cadre, et qu'on se doit chacun d'appliquer. Je suis venu suite à une invitation dans le cadre de ma création d'entreprise, donc afin de promouvoir et puis de développer du business. Donc c'est un lieu d'échange de cartes de visite et puis de connaître d'autres membres dans mon cœur d'activité afin de développer le travail. On rencontre d'autres personnes, on crée un nouveau réseau, des gens qui interviennent dans d'autres domaines d'activité qui peuvent être complémentaires. Ce que j'ai pu découvrir ce matin sur les spécificités, c'est l'interaction entre les membres du groupe qui permettent de faire du business en commun, en fait, en reposant sur de la confiance, sur des connaissances, donc qui est la base de notre travail, la base de notre business. Ce que j'en espère, c'est de faire connaître l'entreprise que j'ai créée il y a maintenant 3 mois, donc à travers ce réseau, d'autres membres, des nouvelles personnes rencontrées, et voilà, développer mon activité. Voilà, on se retrouve sur le plateau de la chaîne Normande pour l'invité du jour avec Gilles Yaconès, qui est directeur exécutif des groupes BNI pour la Seine-Maritime. Alors, on vient de voir ce nouveau président, donc Jérôme Alix, du groupe donc de business sur la métropole de Rouen. C'est quoi les qualités que doit avoir un président de groupe ? Non, tout d'abord, un groupe, ça fonctionne un peu comme une entreprise. Donc, on a différents comités à l'intérieur d'un groupe. Et le président, on va dire que c'est un peu le PDG d'une entreprise. Donc, il y a d'autres rôles, un vice-président, un secrétaire trésorier. Et donc, tous ces rôles fonctionnent vraiment comme un chef d'entreprise. Maintenant, pour répondre à la question, un président, la première des capacités qu'on va lui demander, c'est une capacité d'animation. Puisque c'est lui, en fait, qui va animer toute la réunion, donc qui dure 1h30, de manière hebdomadaire. Vous-même, vous les formez, ces nouveaux présidents, peut-être même l'ensemble des membres qui sont actifs dans un groupe ? Alors oui, parce que, étant donné que c'est une méthode, eh bien, la méthode, il faut qu'ils arrivent à se l'approprier, donc on les forme sur la méthode. Donc l'intégralité des membres sont formés, donc il y a 2 formations. La première, en fait, qui est la formation des comités, donc toutes les personnes qui ont un rôle à l'intérieur du groupe, eh bien, on va leur apprendre à administrer leur groupe. Et enfin, une autre formation qu'on appelle la formation pour la réussite du membre, où là, on va faire en sorte que les membres utilisent bien cette méthode, l'appliquent de façon à avoir un résultat optimal sur ce qu'ils attendent, c'est-à-dire le développement de leur chiffre d'affaires. Alors, on a beaucoup parlé de BNI. Parlez-nous un tout petit peu de vous, Gilles Yaconès. Vous venez d'où ? Quel est votre parcours professionnel ? Alors, moi, j'ai un parcours professionnel complètement autodidacte. J'ai un parcours plutôt commercial. Et puis, j'ai gravi les échelons. J'ai travaillé dans des multinationales. Et puis, un jour, comme tous les membres qu'on peut voir sur la vidéo, un jour, j'ai été invité par BNI sur un groupe parisien. Et donc, j'ai voulu, pour développer moi aussi mon activité professionnelle, j'ai voulu faire partie d'un groupe. Mais aller à Paris toutes les semaines à 7h15, on le disait tout à l'heure, ça faisait un petit peu tôt. Donc j'ai demandé à savoir s'il y avait des groupes sur la Seine-Maritime. Il n'y en avait pas, donc c'est comme ça que j'ai rencontré BNI et c'est comme ça que j'ai démarré le premier groupe. Et puis voilà, l'aventure s'est lancée et j'ai choisi d'en faire mon activité professionnelle. Donc en 2 ans, vous êtes passé d'un groupe à une dizaine de groupes. Quelle est votre ambition sur la Seine-Maritime en termes de nombre peut-être d'adhérents, de nombre de groupes ? Alors on sait qu'aujourd'hui on va pouvoir créer entre 25 et 30 groupes sur la Seine-Maritime, donc on n'en est qu'à la moitié du chemin, on pourrait dire que ça ne fait que commencer. Notre objectif à terme est d'avoir, en fonction du potentiel qu'on a sur cette région, d'avoir un millier de membres sur la Seine-Maritime. Alors on parlait beaucoup de Rouen, est-ce que vous êtes présent avec ces clubs BNI sur d'autres villes de notre territoire ? Alors effectivement, on parle de Rouen aujourd'hui parce qu'on a un événement un petit peu exceptionnel qui est le lancement de ce nouveau groupe rouennais, mais on est aussi présent au Havre, on est présent à Dieppe, on est présent à Fécamp, on est présent à Bolbec, on sera bientôt présent à Forges-les-Eaux, Mont-Saint-Aignan, Barentin. J'espère que j'oublie personne, sinon ils vont m'en vouloir. Yvetot, Bolbec, c'est ça hein ? Tout à fait. Donc vous êtes présent à la fois sur les grandes métropoles, les grandes villes, mais aussi sur des villes plus modestes. Hein. Exactement. Donc, et ça fonctionne aussi sur des petites villes comme Yvetot, Bolbec, etc. Il y a matière à faire vivre un club BNI ? Tout à fait, il y a matière à faire vivre. En fait, le tissu économique, bien sûr, est important. À partir du moment où on a des chefs d'entreprise sur le secteur géographique qui ont besoin de développer leur chiffre d'affaires, bien écoutez, nous, c'est tout ce qu'il nous faut pour pouvoir créer un groupe BNI. Alors peut-être pour conclure, si vous voulez bien, donc Gilles Yaconès, comment on fait pour rentrer dans un club BNI si on est intéressé ? Alors, soit on se fait inviter, parce qu'on connaît un membre dans un groupe, et donc on se fait inviter dans le groupe en question, en faisant bien sûr attention, si on veut intégrer un groupe, il faut savoir que dans les groupes BNI, il n'y a pas de concurrence, donc chaque activité, bien sûr, est exclusive. Donc soit on peut se faire inviter directement par un membre qu'on connaît ou une connaissance, ou alors on peut aussi se rendre sur le site de BNI France, donc qui est www.bnifrance.fr, sur lequel vous avez les cartes de tous les groupes qui se trouvent au niveau national. Et pour conclure, ça s'adresse à qui, finalement, ces clubs BNI ? Alors, ça s'adresse à tous les chefs d'entreprise,
qui ont besoin de développer leur chiffre d'affaires et qui croient que le bouche-à-oreille peut vraiment les aider à développer leur chiffre d'affaires. Eh bien, Gilles Diaconès, je vous remercie beaucoup pour cette présentation des clubs BNI, puis on souhaite bon vent à ce nouveau groupe qui s'est monté sur Rouen. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Normande pour la découverte d'autres acteurs du développement de notre territoire. À très bientôt sur la chaîne Normande.